Une ferme en aquaponie. C'est quoi l'aquaponie? C'est tout simplement un groupement de deux styles de culture. Donc l'aquaculture, l'élevage de poissons, et l'hydroponie, qui est la culture de plantes. Les poissons nourrissent les plantes et les poissons sont nourris avec des produits certifiés bio, d'où l'appellation d'un circuit fermé. Tout se fait entre l'élevage de poissons et la culture des plantes. Pas de produits chimiques, pas d'intrants phytosanitaires, et donc nous sommes totalement dans un système agroécologique. On optimise le système de culture. On est sous une économie de foncier, d'eau et d'énergie électrique. On fait une récupération d'eau de pluie qu'on réinjecte dans le système de culture. Avec ce système, contrairement à la culture traditionnelle, la pénibilité elle est moindre, puisqu'on travaille à hauteur d'homme. On n'a pas à se baisser, à aller dans la terre, puisque tout est hors sol. Donc c'est un travail complètement à hauteur d'homme. Et donc très important pour l'avenir de l'agriculture. Cette production en aquaponie, c'est une production, contrairement aux cultures traditionnelles, c'est une production qui a une rentabilité supérieure, voire qui approche les 30%. Mettre ça en place, ça serait contribuer à l'autonomie alimentaire de la Guadeloupe. Par le biais de ce concours, ce que j'attends, c'est un soutien technique, logistique et matériel. C'est un projet que je mûris depuis plusieurs années, où quand j'en parlais, on m'a rionné. Je vois que maintenant les choses évoluent. Et ça me fait vraiment plaisir. Et de pouvoir participer à ce concours, je suis très heureuse.